Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour du F4F en bus avec Metal Gear Solid Snake. On va commencer la vidéo en vous disant qu'on n'a jamais joué aux jeux vidéo, on s'en fout de la licence, on adore F4F, mais le bus est terrible. On l'a commandé parce que pour le magasin, machin, le choix, etc. Alors en précommande, bit total. Genre, bit total. Tous les bit gens. Bit total. Non mais vraiment, il y a une version 1,5 et 1,1. Là c'est le 1. Comme le Spyro. Exactement. Spyro aussi. Zéro précommande. Et tout vendu en direct. Donc, forcément, les produits sont dispo. Et si vous le voulez, grouillez. Parce qu'il est magnifique. Alors déjà, nous on connaît pas, mais le personnage, on a déjà vu les visuels du personnage, c'est clairement lui, mais il n'y a pas de « oh oui, on dirait machin », non, c'est clairement lui à 200%. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que la patine de peau est vraiment parfaite. On a vraiment l'impression d'avoir du silicone. C'est de la résine, les gars, c'est de la résine, comme ça. Mais réellement, le travail qu'ils ont appelé, on a ce côté silicone, mais pour jeux vidéo. Ouais. C'est ça qui est fou. Parce qu'il y a légèrement la moustache et barbe naissante, les yeux, c'est du... pas du verre, mais tu vois, tu te vois à l'intérieur, t'as l'impression d'avoir des vrais yeux et t'as des vrais cils. C'est un truc de fou. Q-Studio, Infinity. Mais réellement, c'est bien parce que du coup, on a une finition presque comme du silicone. Bon, on va pas se mentir, le silicone est un peu au-dessus, on a des Neristers, on sait ce que c'est, mais. La merde. Mais la peur du toucher, la peur du prix aussi, ici, pour 800 euros. La peur du vieillissement. Ici, c'est de la résine et c'est magnifique. Ils ont réussi à travailler avec une résine translucide, mais une résine en plus. Je suis pas de méchant, bas de gamme. C'est pas de la résine. Enfin, on n'est pas dans la résine soumise, ça va être chaud. Tu vois, quand tu sors, regarde, enfin, tu vois, tu sens que c'est du plastique, de la résine plastique. Non, réellement, regarde ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est un plastique moins noble, mais pourtant, avec. Le patron de GF qui a très fort su. Ouais, ça, il dit, ouais, foutez de bailleur. Non, non, c'est pas méchant, mais on va dire qu'avec, justement, on dirait une qualité moins bonne, ils ont réussi à faire un travail de fou. Donc, faut remarquer au moins qu'ils ont monté le level. Les cheveux. Bah, magnifique. On dirait ceux de Joe quand il a sa casquette, désolé. Quand il joue à Ghost Recon, là, il met son tout. Mais non, c'est côté. Ghost Recon aussi. Ok, d'accord. Il met un bandeau. En fait, dès qu'il joue à la console, il met un bandeau. Même dans Helldiver. Ça peut très. Mais on joue ce soir? Bah, moi, je peux, oui. Vendu. Parce que j'ai un pote autrichien, j'attends toujours de ses nouvelles. Il manque. Donc, ici. Troisième fois. La chevelure, magnifique. On a sa fameuse petite mèche à la Superman, mais forcément à la Metal Gear Solid. On est vraiment sur un très très beau travail de cheveux avec des couleurs unies. Magnifique. Mais... les mèches et tout est bien travaillé. Et comme tu as dit, la petite mèche Superman, parfait. Et t'as l'impression, tu te dis que c'est logique. Ouais, c'est pas vraiment, tu te fais. Ouais, non, et même au niveau du bandeau, donc ça vient écraser ses cheveux, et c'est bien représenté parce que vous avez vraiment cet écrasement et cette repouf des cheveux, on va dire ça comme ça, c'est ça, qui est juste là, et même au niveau du bandeau, c'est parfait, belle texture et tout, et puis ensuite on arrive sur cette veste tactique militaire qui est hyper texturée, mais qui fait penser à une vraie. Ouais, je vois un mec qui arrive avec une veste comme ça, je fais. Armée militaire, Snake Eyes. Donc là ici, franchement, très beau travail. En plus, ils ont fait un petit broche un peu plus clair pour vraiment donner plus de matière et de vie à sa veste. On a son petit col très facile. Et puis vous avez un socle. Je pense pas que ça rappelle un truc particulier. Moi, je pense que si, on est juste B. Voilà. Bah, en tout cas, ça fait très militaire. Ouais. On connaît pas. Base militaire. Mais le travail est génial parce que là, ils ont vraiment sur un côté métallisé très très lisse. Pas abîmé, un tout petit peu par-ci par-ça pour avec donner un petit brush à certains endroits. Les vis, on dirait que c'est des vraies vis. On pourrait même mettre notre tournevis dedans. Parce qu'il y a vraiment la forme du croix et tout. Et t'as presque envie de tout dévisser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a certainement rien, c'est d'arriver. Ouais. Ok, on va essayer. Bah, ça rentre, mais ça tombe pas. Ça tombe mieux. Je suis déçu. même au niveau du noir qui est ici sur les côtés, on a ce léger brush pour montrer que c'est un peu usé. Pas trop, c'est ce qu'il fallait, mais c'est vraiment parfait. Alors, on était déçus, on a vu qu'il y avait un truc qui bougeait, on a cherché, et en fait, c'est pas un compartiment caché. Donc, on aurait voulu un compartiment avec une boîte dedans. Ben non, en fait, juste un tiroir, tu vois. Ou un truc, ça s'illumine, tu vois lui en train de se cacher, et une petite base. Ça va être vraiment cool. Donc, vous avez un logo Metal Gear Solid pour Solid Snake, et puis après, vous mettez. Mais. C'est pas grave parce que pour le prix il fallait pas un tiroir, mais j'aurais trouvé quoi un tiroir. Oui, parce que c'est seulement 809 maintenant pour 450 pièces, c'est ça que je sais qu'il y a 450 pièces au moins. Tu vois, il a plutôt à la flopée, mais ils ont quand même assumé le produit. Comme on le rappelle, il y a moyen d'avoir du coup en taille 1 à 809 maintenant ou entre 1,5 à 409. Prochainement. Bah, en fait, on s'en moment on a effectué les deux en même temps, mais le fournisseur a dû zipper une des références. Après, on voulait le tailler en premier, c'est pas grave. Mais alors, personnellement, incotable, c'est génial et je voudrais tellement. Ce genre de buste à ce prix-là pour plein de gammes différentes. Parce que c'est détaillé, si tu as besoin de tailler, c'est facile. Parce que pour 800 balles, t'as ça. Buste Mario. Bah, wow, Yoshi. Ouais, si tu veux. Non, moi j'aurais même dans les super-héros, tu vois. Puisque les 1,5 ou les 1 tiers chez Tinteret, on se les fout.
dans le Baba. Et il n'y a plus chez Stay Shoot depuis vous. Bah ouais. Dernier en date, c'est Boba. Ouais. Bah, maintenant, tu vois les. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'ils proposeraient. Mais je crois que FT13 s'en bat. Ouais, mais non, je parle à un autre fabricant qui proposerait du coup ce côté bien fini avec une résine pas trop chère, de personnages classiques, mais même du jeu vidéo. Ouais, mais je pense que FT13 c'est film. Ouais, bah ouais, c'est bien. Fait, alors, l'augmentation de prix est encore, moi j'estime encore correct, tu vois, comparé à d'autres fabricants où ça a complètement pété. Au studio. Pété. Mais, et en plus de ça, t'as une belle finition, une belle boîte, et t'as tout ce qu'il faut, bah, où il faut, et c'est même étonnant que ça soit si peu cher. Voilà. Tant mieux, je vais pas me plaindre du prix, mais bon. Encore une fois, le produit est dispo en magasin si vous le souhaitez, sur le site en ligne qui vous a la description dans la vidéo, donc il y a un lien, vous cliquez dessus, vous êtes dessus. Alors si par contre il n'y a pas directement le paiement plusieurs fois, c'est possible. Vous nous contactez parce que maintenant on peut vous envoyer un lien directement de paiement, vous faites le paiement, nous on voit directement que l'argent est bien arrivé chez nous et au moins ça évite les petits bugs. Ça fait 12 semaines qu'il y a un petit bug sur le site pour une création de... L'identité, c'est réglé maintenant, ça va être réglé. C'est réglé. Ils ont envoyé un mail, ça va être réglé qu'ils m'ajoutent. Ok, parce que franchement, je vous jure, pour l'instant, on est en train de tabasser le mec du site, donc voilà. Il est gentil pourtant. C'est vrai, il est pas méchant. Bon vieux geek bien, tu sais, un beau petit séché, le grand séché, là, ça. Super gentil. Il s'appelle Loïc. Oh, bah dans Shogun, il y a un méchant qui ressemble à Sean. Je vais te frapper. Mais attention, mais tout. Non, vraiment Non, ils auraient dû faire une photo et te le montrer. Il ressent deux gouttes d'eau, c'est Sean. Du coup, j'ai envie de matraquer Sean depuis. Donc, voilà. On espère vous amuser. Si c'est pas le cas, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez l'occasion, partagez une vidéo à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Laissez un commentaire, un petit j'aime, ça te fait toujours plaisir parce que du coup, ça nous donne de la force et la volonté de continuer. On est arrivé aux 10 000. On estime qu'en 4 ans. Et du coup, fin d'année, on brûle tout. On brûle tout. C'est, on brûle tout le magasin. Non, c'est magique. Voilà, on est vraiment fiers d'avoir arrivé aux 10 000. On fait comme tous les gros youtubeurs, on supprime toutes nos vidéos et on se lance dans le rap. Non. Les reviews au rap. Tu sais ce que bien. On va monter des Brest. Ah non. T'es pas chaud? Ouais, pendant 2 mois on n'est pas ici. Il faut 2 mois? Bah, Inox, je crois qu'il est parti pendant. Mais au moins un mois, ouais, ça fait au moins un mois. T'as vu la croquette ou quoi? Non, mon gars, on va faire. Non, tu sais quoi, on fait des sideshows et on fait le premier youtubeur à faire une review sideshow sur le Mont Everest. Bon. Mais la statue. Déjà dans la piscine, ça aurait été cool. On l'a toujours pas fait. Le mot zinzin. On va récupérer du coup. On pourrait le refaire. On peut quand même réaliser nos rêves. On va à la mer et tout avec. Là, on va le vendre bien, je ne t'agace pas. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.